par là, petit con. Qu'est-ce qui se passe? Bien, bonjour mes amis, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous parler encore d'un film que j'ai vu hier. Ça s'appelle La chair de sa chair. Donc, nous sommes aujourd'hui mardi 30 mai 2023. Et il s'agit encore d'un film sur Netflix, un film d'action cette fois-ci. Donc, numéro 3 des films aujourd'hui sur Netflix. Le genre, c'est polonais, action, suspense. La distribution, c'est Agnieszka Godoszowska, Adrian Delecta, Dariusz Choznacki, Paulina Krusrel, Pavel Kosli, Andrzej Bierkalski. C'est difficile à prononcer tous ces noms polonais, mes amis. Et maintenant, voici le scénario. Quand le fils que Nina n'a jamais connu est kidnappé, cet ancien agent spécial dépoussière ses talents meurtriers pour le récupérer et personne ne pourra l'arrêter. C'est les hommes de votre maître. En gros, ce mec est responsable de toutes les activités illégales dans cette ville. Et il est où? Reste en dehors de tout ça. Numéro 3 aujourd'hui des films sur Netflix. Donc, excellent film d'action. En ce qui me concerne, je recommande ce film. Donc, je le valide. Par contre, j'ai vu que les critiques étaient assez mauvaises. Pourquoi vous êtes aussi dur avec ce film polonais? Est-ce que vous aimez pas les films polonais? Voilà. Pourtant, moi, j'ai pas vu souvent de films polonais, mais il y a quand même de bons films. Voilà, donc c'est pas le premier film polonais que je regarde. On va dire que ce rôle que joue le personnage principal, le rôle d'un ancien militaire, une ancienne militaire plutôt, c'est une femme, une ancienne militaire, agent spécial, on va dire. Elle se cachait, elle était un peu alcoolique. Au fait, oui, effectivement, c'est pas comment dire un héros tel qu'on les voit dans les films américains. Puisque c'est un peu un loser, mes amis. C'est une loser, on va dire, une loser, oui. Une perdante, puisqu'elle est obligée de se cacher. Elle boit. Elle a dû abandonner son fils parce qu'elle ne peut pas s'en occuper, parce qu'elle serait, son fils serait en danger de mort. Mais quand, effectivement, on kidnappe son fils, elle va tout faire pour le retrouver, pour le sauver. Et là, effectivement, on voit qu'elle a des talents. Elle a des talents, cette ancienne agent secret, agent spécial, on va dire, ou ancienne militaire, voilà, comme vous voulez. Moi, j'ai aimé les films d'action, enfin, j'ai aimé les scènes d'action plutôt, les scènes d'action dans ce film. Énormément de scènes d'action qu'on n'a pas vu dans d'autres films. Donc, je suis habitué, et comme vous, je suppose, vous êtes habitué aussi à les séries d'action qu'on voit dans les films américains. Eh bien, ce film polonais, ça change un peu, les combats sont pas du tout pareils. Les cascades, les combats, tout ça, ça fait beaucoup plus réel. Moi, je trouve que personnellement, les scènes d'action de ce film polonais font beaucoup plus réel que les scènes d'action qu'on voit dans les films américains. Donc, moi, je trouve que ça change. Et donc, je valide, j'ai aimé. Après, je comprends pas trop les critiques qui sont mauvaises, qui sont négatives. En tout cas, les abonnés de Netflix, principalement, on va dire qu'ils ont apprécié. Puisqu'il valide, comme moi, il valide ce film polonais, ce film d'action polonais. On est beaucoup à le valider. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura une suite. Enfin, la fin de ce film-là laisse supposer qu'il y aura une suite. Je pense que c'est le début d'une longue franchise de ce genre de film, quoi. Avec, effectivement, un ancien agent spécial, un peu loser, alcoolique, qui fait tout quand on s'en prend à la chair de sa chair, c'est-à-dire à son fils. Donc, à mon avis, il y aura une suite, et j'ai envie de revoir cette personne, même si dans le rôle qu'elle joue, en fait, bon, elle doit jouer le rôle d'une ancienne alcoolique, enfin d'une alcoolique plutôt, ancienne agent spécial, mais elle est très forte dans ce rôle-là, et voilà, c'est pas un héros, comment dire, un héros très positif qu'elle joue, mais pourquoi pas. Jamais. Pourquoi pas. En tout cas, j'appelle la police. Non, ça sert à rien. Ça va aggraver les choses. Où est le jeune homme? Si tu lui fais quoi que ce soit, t'es morte. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Et vous êtes qui ?